première partie. Alors moi, je le retourne parce que, hop, c'est plus facile pour moi. Et là, tu vois, le fait que ma plaque de four soit bien froide, ça m'aide parce que comme ça, la pâte feuilletée, en fait, elle n'adhère pas au papier qui est juste en dessous. C'est souvent le problème qu'on rencontre. Voilà. Alors, on me pose la question, et s'il y a des trous dans la pâte? Alors, normalement, il ne devrait pas y avoir de trous dans la pâte. Il faut vraiment que tu essayes de la décoller le plus doucement possible pour éviter qu'il y ait des trous. Et après, si tu parles des trous dans le fait qu'il n'y ait pas du saumon partout, ce n'est pas très grave parce qu'en fait, comme on roule, il y aura forcément du saumon d'un côté ou de l'autre et ce sera délicieux. Après, tu peux aussi le découper en tout petits morceaux pour mettre à l'intérieur. Voilà. J'arrive presque au bout. Les deux pâtes vont se rejoindre.